J'ai commencé par la poule. <laughs> Ça va être incroyable. De, la, poule, euh, la poule est, est merveilleuse. Vraiment Alors, en plus, je pense que vous ne voyez pas sur la ref en petit, mais elle a l'air fâchée. Elle, genre, on dirait qu'elle fronce les sourcils. <laughs> Est-ce que vous aussi vous souriez bêtement quand vous dessinez un personnage qui sourit ou il n'y a que moi qui ai fait ça Genre j'ai un peu ce mimétisme de faire. Oh euh... là là Je ne finirai pas cette phrase car je dois accueillir un raid Coucou petit euh, Friendly Julie Coucou, bienvenue Oh là là Salut euh, Tiger Lily de Kick and Chick Bienvenue les gens J'espère que vous allez bien Oh là là Mais. Ah Plein de nouvelles personnes, qu'est-ce qui se passe? Venez, venez, venez. On fait plein de trucs super. Euh, entre autres, on dessine des gens euh, qui tiennent des poules. C'est un sujet niche, euh, ou plutôt un sujet niche, nichoir. Pardon. Euh, mais n'hésitez pas à vous joindre à nous et à dessiner des gens euh, qui tiennent des poules également. On adore les poules, bien sûr, bien sûr. <laughs> Pas ma meilleure, j'ai tout donné. Et là, franchement, c'est pas gentil. Un sujet poulailler, bien sûr, tout à fait. Euh, voilà. Venez. Venez, vous allez voir, c'est vachement bien. On s'éclate. Euh, merci beaucoup pour le raid, Julie. J'espère que tu vas bien. Je crois que c'est la première fois que, que tu raides. Euh, donc, n'hésite pas à te, à te présenter, à me dire ce que vous faisiez. Vive les poules, bien sûr. Après les oies, les poules, bien sûr, évidemment. Nous c'est les oies, ok, et eh ben, eh ben très bien. Je pense qu'on on va s'entendre, finalement. Et voilà, alors je suis tombée sur cette photo. À la base, je voulais dessiner des enfants qui tiennent des poules, parce que c'est très très mignon. Et je suis tombée sur, euh, sur une photo de cette dame <laughs> qui tient une poule, euh, qui est dans une position assez fabuleuse, finalement. Euh, voilà, avec ses deux pattes tendues, elle m'a charmé donc euh, je la dessine, tout simplement. On vit doigt et d'eau fraîche, parfait un live argile autodurcissante. Oh, trop chouette! Des petites choses en argile autodurcissante, coupelles en forme de marguerite. Trop mignon! Trop chou! J'espère que ça s'est bien passé. J'ai jamais, euh, jamais eu l'occasion de tester euh, l'argile autodurcissante, mais euh, ça a l'air d'être assez cool. Et merci pour le follow, euh, Hélène. Bienvenue à Massa. Bienvenue les gens. Du coup, euh, voilà, si vous connaissez pas le, le stream. Euh... Alors, oui, j'ai pas de modo. J'ai plus de modo en ce moment. Donc, je vous donne manuellement mes liens vers les réseaux sociaux si vous voulez aller voir ce que je fais. Parce qu'on fait plein de trucs différents euh, sur le live. Aujourd'hui, on dessine des petits persos mignons. Des fois, on fait de la peinture de paysage. Des fois, on fait de la pâte fimo. On fait des chats en pâte fimo. Euh, voilà. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. <laughs> C'est terrible. <laughs> j'ai plus de modo. Bref, bah, ils sont occupés. Ils sont occupés, ils ont, repris, euh, ils ont repris, leur vie en fait finalement, parce que le, plus personne ne télétravaille. <laughs> merci pour les liens. Merci, <laughs> merci Julien pour.